C'est rare que je commence mes tunes avec un intro, mais on me reproche souvent que j'écris pas sur la vraie vie, puis tout ça. Ça, c'est une histoire vraie. Sauf que vu que c'est fucked up, je vais quand même vous mettre en situation. Dans le fond, moi, j'avais un voisin en psychose, avec un arbalète en haut qui était barricadé. C'était commandé du métal par la poste, par Amazon, puis il s'était soudé sa porte au complet pour faire une barricade, puis il y avait un arbalète en haut, puis que. La SWAT a débarqué, fait que cette histoire-là, ça s'est passé en 2017. C'est un vieux texte que je viens de retrouver, fait que je le partage avec vous. Histoire vraie, mon voisin rentre chez moi, pis qu'est-ce qu'il doit geler? Puisque l'élève GRC, il parle de la GRC, il me dit: la GRC s'en vient te chercher! Je suis en robe de chambre, pis le gars me demande: il est où mon linge? Dans ma tête, sur le coup, je me suis demandé ce que ça pouvait bien faire. Et quand j'ai monté un tas de linge à terre, il m'a dit que ça se pouvait pas. Moi, je me suis dit, mais il est fou, ce gars-là. On m'a dit qu'il a fait un accident. Et dans sa camionnette, on allait au dep. Il était trop généreux et trop fait. J'sais pas quel gars qu'il a fait, mais il a dû en faire plein. Parce que c'est ramassé à l'envers sur le terre plein. C'est sérieux, ce gars-là, pas de lumière ni mise. Un dep était deux, lumière de chez eux. Il avait pu foncer dans du monde. Non, il se crève sur le camion, qui détaille, qui est dans pas long. Il va se faire expulser par la régie, ça sert. Il faut parler plus, il est pas parlable. Ce gars le qui est malade, regarde, il est plus dangereux que l'éteint. Ha ha ha, ça pire rime de malade. Mais on vit dans un monde de malade, fait que je garde ma salade. La nuit, je vais vomir, avec lui, je m'attends au pire. Deux jours plus tard, je sais pas ce qui se passe dans le bloc, mais ça cogne à la porte. Je l'ouvre, je crie, oh shit, qu'est-ce que je vous suis pas. Elle est chez moi, j'panique. Dès que je les vois, j'patrip. Non, merci pour ce qui va y arriver. Pis c'est ce qui l'a traumatisé. Ce qui l'a hostigé. Mettre sa vie en jeu. Ce gars-là qui est dangereux. Il fait de la dope. Pis c'est de sa faute. S'il y a du café, des marches. Pis qu'il y a des tâches à plein de place. Et ça, c'est dégueulasse. Qu'il y a plein de casse. C'est lui qui a été du bloc. C'est quand même pas surpris qu'il suit ses coordonnées. C'est qui doit te mettre ma vie en jeu. Ce gars-là, je l'ai dit tantôt, mais ben, il est dangereux. Tellement qu'il pourrait mettre. Pis appartement en feu. Tellement qu'il en veut. Chez lui, pour le faire chez mon frère en masse de bruit. J'aime vraiment plus la face depuis. Dis pas qu'il est monté dans le grenier du bloc. Quoi? Il est monté dans le grenier du bloc. Qui croit vraiment que j'ai volé ses culottes? Je m'inquiète pas très dingue. Moi qui porte son linge, ben c'est bien ce qui crotte. Je suis sûr qu'il est même pas propre. Son linge est pas beau. Il y a encore des morceaux qui viennent de chez Canto. Et puis, dans la gueule, puis dans le bloc, tout le monde y en veut. La pour le voisin est en haut. A des problèmes mentaux. Le gars est dingue, en gros, c'est qu'il y a une barricade. Deux malades, garde une caméra qui fume dans le parc, il pas maxé, mais il est pas long. Il a fait un accident, c'est gars-là, il est pas long, il est pas brillant. Et puis la nuit, ben, il est bruyant. Il fait vivre l'enfer, ses voisins depuis 8 ans. Il habite au 4e étage, toute la nique, go, c'est